Et c'est splendide. Oh. Bonjour tout le monde. Bonjour. Samedi 2 octobre. Il n'est même pas 8h et nous partons. Oh là là. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a même pas fait sonner le réveil. Ouais. Et de mieux en mieux. Hein. Enfin, il y en a un qui m'a mis sa lampe dans les yeux. Tant mieux. Comme réveil. Si ça continue, on va même pas se coucher. Alors là, ça sera pas beau. Non, non, non. Vous voyez comme le ciel est beau derrière nous. Ah ouais, non, mais c'est magnifique. Oh là là. L'opérateur a un peu la bougeotte, mais... La prochaine fois. Ouais, c'est beau, hein. Bon, je voudrais rectifier une petite erreur de ma part. Pas parce que sur le chemin de Compostelle... C'est rare, hein. Vous pouvez remarquer. Les erreurs? Ah ouais. Ah, oui. Parce que sur le chemin de Compostelle, au bout de 30 erreurs, on peut avoir un blâme. Et au bout de 30 blâmes... Il y a de la marge. Non, bon, ça c'était un... Tiens, bah, d'ailleurs, je vais vous faire participer. Ça vient de qui, cette petite phrase-là? Allez, j'attends ça dans vos commentaires. Oh, mais... Donc oui, je voulais rectifier quelque chose. C'est que on est encore assez loin de la Meseta. On est à peu près à 60-70 km. Ça commence à Burgos. Et c'est un haut plateau de 200 km qui est à 800 ou 900 mètres d'altitude. Donc voilà, on a encore du chemin pour y arriver. Enfin, du chemin. 3 jours, hein, donc samedi, dimanche, lundi, lundi soir ou mardi, on devrait y être. Oui, c'est par là. Hier soir, c'était très sympa cette petite soirée, ce repas en commun. On était 18 à table. Alors, il y avait, bien sûr, il y avait quelques Français. Mais autrement, il y a des étrangers. Il y avait des gens de... Il y avait des Espagnols, bien sûr. Il y avait des Anglais. Il y avait un Américain. Il y avait 2 Seine-et-Marnais aussi. On a passé une bonne soirée, c'était sympa. Il y a eu de bons échanges, c'était vraiment très bien. Ah, c'est vraiment magnifique. On n'arrêterait pas de photographier et filmer. Bon, on va avancer quand même un petit peu.
Ah oui, t'as raison. On va enlever une pelure. Non. Who is it? Saint Paul? Yeah, yeah. Saint Paul? Yeah, it's the French Paul. Saint Paul. C'est où ça? Saint Paul? London? No, no, no. It's not in Spain. It's in France. Is it in France? Toulouse? Toulouse? Ah, near Toulouse. Yeah. It's the Camino of Aragonia. Aragonia, please. Ah, well? Aragonia. Yeah. Agony away. We began for this time at Saint-Jean-Pied-de-Port. Yeah. Yes. Okay. Yeah, nice. And we go to Leon. Yes. Yeah. And you to Santiago. Yeah. Ah oui, il fait 30 km par jour. On est des petits rigolos, nous. Nous, on est tout content d'arriver à 20. We work 20 kilometers. Ah, yeah. Or a little more. Ah, okay. But not very. Yeah. It's a kind of exercise. At the end, not before Santiago, you will go 30. Buen camino! Buen camino! Bye! Bye! C'est sympa le chemin, on double des gens, il y a des gens qui nous doublent, on fait la petite conversation avec, et puis après on les revoit plus, ou alors on les revoit deux jours plus tard, ou quelquefois bah, on est deux trois jours à se suivre, c'est amusant. Avec ce monsieur qui vient d'Allemagne, de Berlin plus précisément, voilà, on aura fait un quart d'heure, 20 minutes de chemin ensemble. Bon, à mon avis, on va pas le rattraper parce que lui, il est plutôt à 30-35 km par jour. Hein. Ouais. On est des petits joueurs par rapport à lui. Il y a beaucoup de pèlerins aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Il y a des jours comme ça, on n'explique pas. Hier, bon, on voit toujours des pèlerins, hein, mais pas autant qu'aujourd'hui. Là, il y en a 4, 5 devant moi. Il y a une personne derrière moi. À cet instant précis, 16,2 km.
Ah ouais. En 3h53. Oh, bah, en ouais. 3h53. Presque 4h, ouais. Presque 4h. Bon bah ça mérite de se restaurer un petit peu. Et comment ? On a trois villages qui se suivent, distants d'environ 2 km. Alors, si on s'arrête au premier village, on aura fait une vingtaine de kilomètres à peu près. Et bien sûr, si on s'arrête au troisième village, on aura fait 24 km. Alors, Michel et moi, on s'est concerté, on a voté, on va au dernier village. Non mais on est bien, on est en jambes là, il est de bonne heure, il est 13h30 à peu près, 14h, bon. Voilà, donc 4 km ça nous fait 1h, on arrivera à 15h, et au moins on aura gagné 4 km sur ce qu'on s'est fixé, par jour. Ça va ? Ouais, bah, je serais content d'arriver quand même. Hein. On va jusqu'au prochain village ? Ouais. Ouais ? Ouais. Oh, ouais. Oh, ce sera fait. Ce sera fait. Allez. Parce que demain, s'il pleut en plus. Ah oui. Alors, ça, c'est amusant. Regardez au haut du clocher. Il y a pourtant un pèlerin là-haut. C'est amusant, ce pèlerin là-haut. En haut de l'église, ouais. À la place du coq. On peut se poser des questions. Hein. Il y a toujours des petites choses toutes mignonnes. After 9 days, I let the horse run free, 'cause the desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There was sand. Bon bah faut espérer qu'il y ait de la place maintenant. Alors il y a là. Et puis il y a là peut-être. Eh regarde comme c'est pas mignon ça. Eh, s'il y a de la place on devrait être bien là. On est pas bien. Bon. Ça s'appelle... Tout ça drôle. Ça s'appelle le... Ça s'appelle se casser le nez là. Bon bah il n'y a pas de place. Et le prochain village, il est à 3,5 km. Bon, heureusement, je viens de téléphoner et il y a de la place, ils nous attendent. Mais on a 3,5 km à se taper, là. Puis en fin de journée, bon, on ne s'attendait pas à ça. On n'en peut plus, là. On était bien, on marchait. Non, mais c'est vrai. On marchait, on était en jambes. Mais là, le fait de s'arrêter, de devoir repartir... Puis en espérant qu'on allait s'arrêter là, quoi. Ah ouais, ouais. Non, puis ça a l'air d'être mignon en plus. Bon. Ah, punaise. Ah, c'était joli, hein. Allez. Ouais.
can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Voilà. Ah mais c'est... Madeleine, ça va? Ça va? À tout à l'heure. On vient de finir de manger là. Et ah oui. Bon, c'est samedi soir. Faites attention à vous. Prenez soin de votre corps, bien sûr. Et puis surtout, si vous avez, mettons, un anniversaire à arroser, allez-y doucement hein, sur la boisson, sur l'eau et tout ça. Bon, il y en a un qui se reconnaîtra, à mon avis. Avant de vous dire au revoir, je voudrais quand même que vous regardiez la fin de la vidéo parce que je vous ai mis les plus belles images de la journée. Alors, bonne soirée, bonne nuit, bon dimanche et puis à demain. Au revoir.